cohésion, la fraternité, notre credo. C'est dans cette optique que nous avons accepté nos frères du Grand Nord. Et vous pouvez demander, ils se sentent chez eux. Ici, il n'y a pas de distinction. Ils sont nos frères. L'heure de la libération étant déjà passée, nous disons à tout un chacun, soyez la bienvenue. Et nos frères du Nord, vous pouvez vous sentir à l'aise. Et nous donnons feu vert à la cérémonie qui débute maintenant. Ayant pris conscience de l'adage qui dit que l'union fait la force et la cohésion le socle de la paix, les communautés du Grand Nord, soutenues par la ministre de la fonction publique et présidente du conseil régional du Cavali, Madame Anne-Désirée Oulouto, ont décidé de faire de ces deux préceptes les leurs. Cette union sacrée est aussi la base solide et inconditionnel de notre soutien au RHDP ainsi qu'aux candidats qui en sont issus. Je veux parler de Madame la ministre Anne-Désirée Oulouto pour le conseil régional. Nous réitérons notre engagement à l'union sacrée des enfants du Grand Nord et notre soutien indéfectible à vous tous, candidats du RHDP dans le Cavali pour un Cavali paisible et prospère. Vous avez bien voulu, avec la grâce de Dieu, me confier cette belle région, la région du Cavali, il y a de cela 5 ans. Mais avant, j'étais déjà avec vous pour que nous puissions ici restaurer le vivre ensemble. Et grâce à cette paix, le Cavali aujourd'hui est en train d'être transformé à l'image de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, président de la République, a dit aux Ivoiriens, confiez-moi le pays, je vais vous le transformer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Le ministre du budget, Aga Budget-Loi, tout ce qu'on fait ici, là, c'est sa petite signature là qui fait qu'on réalise ça. Tu veux faire pont. Il n'a qu'à monter, descendre. Si le ministre du budget n'a pas validé le marché là, à TCK, monsieur le ministre, cher frère, j'ai soutenu l'invitation de nos parents du Grand Nord pour te dire merci. Il faut lui dire merci. Tous les projets que j'ai fait ici, c'est difficile. Il y a des projets qu'ils ont laissés avant dans le conseil là. On dit projet, l'argent là, ça est sur papier, mais on m'a varié, on m'a varié ça. Et si mon frère là n'était pas à côté de moi, hey, j'ai l'air dans la honte. Ici à Guido, les mamans là se sont mises sur le pont et disent, mais regarde notre pont, le président a fait pour Abidjan et pour nous. Aujourd'hui, maman de Guido, voilà votre pont là-bas, le pont sur le Ouzou. À la fête des mères, je suis allé à l'hôpital général régional de Guiglo pour aller saluer les mamans qui ont accouché. Et je les ai trouvées dans des salles climatisées. L'hôpital de Guiglo est l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire grâce à la politique de développement d'un homme, le président Alassane Ouattara. Le département de Taï n'était pas connecté au réseau national. Taï fonctionnait avec un groupe électrogène, vrai ou faux? C'est le groupe électrogène qui était à Taï. On met à 16h, le matin à 7h, on coupe. Aujourd'hui, Taï est raccordé au réseau national. Mieux, tous les villages de Taï sont électrifiés. Eau potable, toujours Taï. Zanié n'a pas l'eau potable. Population de plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, le plus grand château d'eau de notre district est à Taï. Magnifique. On dit le 2 septembre, les populations vont choisir. Nous sommes un pays démocratique, c'est très bien. Ça va me permettre de voir est-ce que ce que j'ai fait est bien. Communauté du Grand Nord, est-ce que j'ai bien travaillé?
tranquille. De dormir tranquille. Je vous confie nos candidatures. Vous tous, vous êtes directeurs de campagne. Jeunesse du Grand Nord, allez sensibiliser dans les villages, dans les hameaux, les campements. Élection, c'est pas de palabre. Élection, c'est démocratie. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci, 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 Madame la Ministre. Merci pour tout ce que tu fais pour aider le président de la République, mais surtout pour faire avancer notre pays, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Oui, tu as fait état et de ton talent dans tous ces endroits et tu es en train de le faire ici, au niveau du Conseil régional du Kabali. Avec toi, que les couleurs de notre grand parti soient portées par des personnes comme toi, ou comme le maire Baillé, ou le maire Ouloto. Mais comme on dit, non mais les gars, on dort tranquille. On dort tranquille. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, je voudrais vraiment dire à toutes les populations ici que Moussa Sanogo ne vous trompera pas. Moussa Sanogo ne vous trompera pas. S'il y a une grande recommandation à vous faire pour les consultations électorales à venir, ne vous trompez pas. Le bon choix, le bon choix, le bon choix, c'est Anne Désirée Ouloto. Thank you.